C'est quoi cette coupe de ouf? Salutations distinguées en ce vendredi normalement créa. Je dis normalement parce que en fait, je vous avouerai que je n'ai pas réellement envie. Parce que on s'est couché tard, je pense comme beaucoup de monde, on a voulu regarder Prison Break. Enfin le retour de Prison Break. Ouais, je le dis en anglais, Prison Break. Non, franchement, c'était kiffant. Bon, on sait toujours pas comment il est vivant, mais voilà. Enfin bref. Donc ouais, on est un peu fatigué parce que finalement, voilà, on s'est couché tard. Alors vous êtes nombreuses à avoir aimé le tuto de Corinne. Alors on va essayer de la voir. Corinne! 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 Oui, en plus je vous ai dit hier. Ma blague est pas drôle. Ma blague est pas drôle parce que, un, je vous ai dit qu'elle était pas là ce matin. Et deux, à force de dire Corinne, bah ça soupe quoi. Mais en fait, elle aime pas que je l'appelle Corinne. Donc j'ai fait exprès. Eh, c'est bien cette présentation là. Regardez, c'est plutôt stylé. Attendez, on va mettre bien droit comme ça. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, quoi de prévu? Pas grand chose. Voilà. Je vais faire de la créa. En fait, on va retourner dans mon atelier parce que ici il fait trop chaud. Dans mon atelier, il fait encore bon. Encore. Alors, ouais, sinon je suis de corvée de manger. Corvée, c'est bien, t'as bien grand mot, hein, bien sûr. Tac. Manger, j'aimerais faire de la créa, mais voilà, flemme aiguë. Et j'ai surtout. Faut absolument que je fasse des. Mes réassorts en fait. Pas tampons, mais les autres. Badge et mots et tout ça. Donc, à mon avis, je vais être entre les deux. Et voilà. Bah ouais, ça sent le. Moi aussi, ça va, je vais me motiver. Magnifique ta créa. A plus. Tchou. bonjour, excellent cette plongée avec ton fils égale complicité. Ouais, il a vachement eu peur de la méduse quand on était à côté de la méduse. Allez, enfin bref, je vais aller poster mes enveloppes, mes commandes et ma carte que j'ai faite hier. Donc je pense que la personne se reconnaîtra parce que j'avais mis un rappel. Pour le 24 ou 25, je sais plus, un truc comme ça. Donc je pense que elle se sentira concernée, parce que je crois qu'elle regarde mes vlogs. Ou même si elle regarde pas mes vlogs, bah c'est pas grave, elle l'aura quand même. Et je vous retrouve. Ouais, ça, c'est du blabla dans le vent. Ouais, je l'avoue, je l'admets. Je parle, mais sans contenu dans mes paroles. Bah, c'est comme hier. On sait pas ce qui va se passer, donc ça se trouve il va rien se passer, donc je parle. Voilà. En tout cas, merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés hier et tout ça. Vous savez que j'en parle, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Alors je sais pas ce qu'il y a eu hier sur ma vidéo. Regardez, il est 9h48 exactement, 9h48, hein. Elle est en ligne depuis 7h, j'ai 5 pouces rouges. À 7h10, je crois que j'en avais déjà deux pouces rouges. Donc en gros, les habitués qui me regardent, donc là, les pouces rouges, je sais que c'est des habitués. Les deux premiers, c'est obligatoirement c'est des habitués parce qu'ils ont entendu le vlog et ils ont mis directement pouces rouges. Alors, merci de préciser pourquoi. Voilà, tout simplement. Allez. Non, je rigole, je m'en fous en fait. Tu veux un bout de peau?
se retrouve. Il est quasiment 16h. C'est pas à l'heure ça, j'ai pas de téléphone. Enfin bref, il est quasiment 16h. Va falloir que j'aille acheter des enfants à l'école. Chercher des enfants. J'ai reçu ma toute première ATC sur le thème de l'été. Donc ATC 1 sur 2 de Idylart.simplesite.com de Simone. Voilà. Merci en tout cas Simone Veille. pour cette carte. Alors, Vendredi créa était une vendredi créa. C'est-à-dire que, comme vous avez pu voir, j'ai fait trois pages. J'ai fait une page bleue, j'ai fait une page rose, et j'ai refait une page bleu-marron. Mais là, celle-ci est un peu plus simple. Parce qu'en fait, j'ai posé la question sur mon site, sur ma page Facebook, mon site, sur ma page Facebook en demandant quels sont vos je voulais des contraintes, des trucs comme ça, mais finalement personne n'a répondu, à part trois personnes, une qui m'a marqué vendredi, bon vendredi je crois, la deuxième qui m'a marqué Marie-France qui m'a marqué l'audi de enveloppe, ouais, je savais même pas que ça existait, et Fanny qui m'a marqué alors une page qu'avec du matériel entre guillemets pas scrap. À l'origine, elle avait marqué crayon, peinture, ciseaux, feuilles. Ouais, papier, pas ici, non. T'as perdu. Pierre, papier, bref. Voilà. Et donc, finalement, j'ai fait avec du matériel non scrap, c'est-à-dire que j'ai utilisé. Vous verrez dans la vidéo. J'ai fait les trois vidéos. Donc, les trois vidéos seront. Il y en a une qui est déjà en train de compresser. Sinon, j'ai fait mon réassort de tampons et mon réassort de badge. Et j'ai aussi posé la question est-ce que les précommandes vous intéressaient sur Facebook? Donc, vous êtes un petit nombre à avoir répondu oui. Donc, je pense qu'à partir de ce week-end, je vais mettre en pré-vente. En précommande, si vous préférez, précommande mes tampons. Donc, je vais les mettre en ligne. Mais par contre, tampons et badge. Voilà, je vais les mettre en précommande. Par contre, je précise bien qu'ils seront envoyés quand je vais les recevoir, donc au mois de juillet. Donc voilà. Donc, pour que vous soyez pas trop déçus. Parce que d'habitude, ça part direct. Donc, j'ai une commande, ça part le lendemain, voire le jour même, si c'est avant 9h du matin. Voilà, ouais, parce que je vais à la poste à 9h du matin. Vous avez pu remarquer, j'ai mes habitudes. Donc, toute commande faite avant 9h du matin, ça part le jour. Et ceux qui sont qui ont été commandés après 9h la veille, voilà. Simone Veille. Voilà, donc enfin bref, j'ai un petit rituel comme ça, c'est que en gros, voilà, enfin bref. Donc je mets en pré-vente, je vais peut-être préciser sur mon site. Et on m'a posé aussi la question, parce qu'il y a une personne qui est partie sur A Little Market, même plusieurs à vrai dire, qui ne trouve pas mes tampons. Donc c'est pas sur A Little Market, c'est ni sur A Little Mercery, c'est sur c2mstencil.fr. Donc le lien, il est juste en dessous, je sais qu'il y a les trois liens, mais c'est sur ma boutique personnelle, parce que A Little Mercery et A Little Market prennent énormément de frais. Donc voilà, donc je préfère prendre moins de frais, voilà. Enfin bref, parce que en gros, si je suis obligé de les mettre sur Little Mercery ou Market, je suis obligé encore d'augmenter les prix. Bah ouais, c'est normal, c'est logique. Voilà, donc il est 16h maintenant, il doit être 16h05-10. Si on allait voir jusqu'à l'ordinateur. Bah ouais, parce que je suis pas en retard. Waouh, cette magnifique carrure. Ouais, je n'arrive plus à reperdre du poids, c'est ouf. Donc ouais, j'étais en train de dire que j'arrive plus à perdre. J'ai perdu mes 3 kilos dès le début et en fait depuis, je ne perds plus. Mais enfin bref, à vrai dire, je ne fais plus réellement de sport. Je fais toujours attention à ma ligne, mais à manger, mais je fais plus réellement de sport. Mince, ça n'a pas été envoyé ça ? Envoyé. Donc finalement, mes rassorts de badge n'étaient pas faits. Si. Je rigole. Voilà. Donc j'ai... sinon... il faut que je contacte deux personnes parce que j'ai des tampons là qui sont en train de dormir, en train d'attendre.
Trois commandes de tampons, mesdames. Oui. Faut pas s'endormir. J'ai une commande où il n'y a pas de nom. Où il y a des... Ça sent les tampons. À l'intérieur, ça sent... Et vous savez quoi? Et en plus, je vais faire un truc aussi. Parce que en gros, je vais pas mettre la totalité de mes tampons. Dès que j'en sors mes tampons, je fais un giveaway. Et je ferai gagner un lot de tampons. Sinon, je vous ai dit que j'avais travaillé sur des pochoirs hier ou avant-hier. Ouais, on papote. C'était vendredi, c'est vendredi créa et blabla. Alors, un simple qui ressemble à... Vous voyez les plaques de ferraille, de fer qu'il y a dans les entreprises? Bah, c'est ça, truc antithérapant. Et le deuxième, je pense que qui va vous plaire plus, c'est le Idien volume 2. Donc thème indien, thème amérindien exactement. J'espère que l'ordinateur fait pas interférence. Je suis fatigué, ça peut se voir, je pense. Et je pense que je vais arrêter là ce vlog parce que je vais aller chercher mes enfants. Je vais aller faire tous les montages vidéo. Donc j'ai 3 pages et j'ai ce vlog. Demain, normalement samedi, je ne sais pas si je vais vlogger comme d'habitude. Je ne sais pas. On va voir ce qui se passe dans la journée. Voilà. Je sais pas. Ma femme, je sais qu'elle est hors pot, mais je ne sais pas si on va faire quelque chose. Voilà. Enfin bref, de toute façon, si je vlog, vous l'aurez dimanche matin. Si je vlog pas, bah vous aurez rien dimanche matin. C'est d'un logique, mais imparable. Donc voilà. Donc ne vous étonnez pas si dimanche matin vous n'avez rien. Je vous laisse un jour de repos. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir un drone pour refaire des 2 minutes de nature. Je voulais aller à la rivière là. Ma femme elle a dit non. Elle a fait tu vas chercher les enfants. Allez, j'arrête là. J'espère donc. Ouais, je me gratte l'œil. Ouais. Ouais, je suis fatigué, ouais. C'est trop d'ordinateur, tue l'ordinateur. J'arrête là. Je vous dis donc pas demain, si tout va pas bien. Non, je vous dis donc peut-être à demain, sinon je vous dis à lundi. Tchou!